En cette sixième semaine de cheminement, nous voici arrivés au sixième jour. Nous allons voir le psaume 110. The Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand until I make thine enemies thy footstool. The Lord shall send the rod of thy power out of Zion. Be thou ruler even in the midst among thine enemies. In the day of thy power shall the people offer thee freewill offerings with an holy worship. The dew of thy birth is of the womb of the morning. The Lord swear and repent. Thou to praise forever after the order of Melchizedek, the Lord upon thy right hand. Shall one even king sing the day of his wrath? He shall judge among the heathen. He shall fill the places with the dead bodies and smite in sunder the heads of diverse countries. He shall drink of the brook in the way. Therefore shall he lift up his head. Glory be to the Father and to the Son. And to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 110 n'est pas simplement un autre chapitre du livre des psaumes. C'est un texte puissant qui captive les croyants depuis des siècles. Sa voix prophétique et la déclaration du sacerdoce éternel du Seigneur ont de profondes implications pour notre foi et notre culte. Ce psaume n'est pas seulement historique, c'est une parole vivante et respirante qui continue de nous inspirer et de nous mettre au défi dans notre voyage spirituel. Écrit par le roi David, ce psaume est un morceau puissant qui se distingue non seulement par sa profondeur spirituelle, mais également par sa signification historique. Reconnu comme un psaume messianique, il pointe bien au-delà de l'époque de David, nous donnant un aperçu du royaume éternel du Christ. David évoque un Seigneur plus grand que lui, une indication claire de son respect et de sa reconnaissance du Messie à venir, prédisant un règne caractérisé par la justice, la paix et le sacerdoce éternel. Ce psaume n'est pas seulement un texte ancien, c'est une prophétie sur Jésus, notre Messie, et il souligne également le rôle de ce dernier comme prêtre éternel sous l'ordre de Melchisédek. Contrairement au prêtre lévitique, son sacerdoce est éternel. Le sacerdoce éternel signifie que Jésus n'est pas seulement un personnage historique, il est notre médiateur éternel, nous connectant directement à Dieu. Ce psaume met en valeur son autorité continue et son rôle actif dans nos vies d'aujourd'hui. Ce psaume puissant peut façonner nos louanges, nos prières et notre perspective sur le rôle de Jésus dans nos vies. Ce psaume enrichit notre intercession. Savoir que Jésus est notre souverain sacrificateur éternel, à la scie à la droite du Père, nous donne confiance lorsque nous prions. Il nous rappelle que nos prières ont du pouvoir et que nos défis sont relevés avec l'autorité de Jésus. Ne nous contentons pas de lire ces paroles, mais vivons-les, faisant de notre culte un véritable reflet du règne
et de la grâce durable de Jésus. Prions. Jésus, Fils de Dieu, tu n'es pas seulement un personnage du passé, tu es notre présent et notre avenir, intercédant continuellement pour nous. Enseigne-nous à considérer notre propre appel à une foi audacieuse, sachant que nous sommes soutenus par ta victoire éternelle et ton autorité. Fais qu'en comprenant ce psaume, sous cet angle, ne fait pas qu'approfondir notre foi, mais aussi nous rappelant notre place dans une histoire bien plus grande que nous-mêmes. Toi qui es vivant pour toujours. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, quel est pour vous l'impact du psaume 110 sur votre vision de Jésus dans la prière? Deuxièmement, selon vous, comment le psaume 110 peut-il influencer votre vision des défis?